Hello. Lupi non bibe la bilo koya. Bon il a ka bilo koya États-Unis. Oni koko ma bona bona bo jeunesse. Mona États-Unis. Tata yo ki kole la nabino. Atinde libino. Maman Samira. Ndenge oza la kan États-Unis au kole lo kola mutoza na mombele. Lo kola mutoza na ngaba. Merci mon pif. Wow! Bana États-Unis, kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope na fute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansom azali. Elo komo kote yo koluko komo nate. Nandenga va bete, pona kozwa biloko a détail. Yoka numéro, numéro 938, avenue Maurice, na New York. Adresse, ya entrepôt, 12, 40, avenue Randol, dans les banques. Tala, yoko banda koteka, mbisi ya koka uka, mongusu, mafute mbila, e koko maloko la bazoka na yo. Yeah, yo. Bonne mama Samira, ma kien bae. Oso rebeni. Eh bela. Mama, na zone rebete. Na zone ka ke tasi. Ba lobi plus précisément na ka ke Washington. Ba lobi mama Marte nde. Mama Marte nde. Ba lobi shop Africa Union. Mais toi t'es gagnoso, biloko ya. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est un honneur de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois en dehors de la politique, on va parler société. Nous parlons d'une loi, d'un code de la famille, loi numéro 87/10 du 1er août 1987. 30 ans après, en 2016, l'on a révisé cette loi tout simplement parce qu'il fallait la moderniser, la apporter beaucoup d'innovations comme la suppression par exemple de l'autorisation maritale, l'attribution du nom de l'enfant comme un accord des époux, l'émancipation judiciaire du mineur en cas des actes précis et sa révocation si nécessaire auprès de l'officier de l'état civil. Et aujourd'hui, 6 ans après, un élu estime qu'il faut encore réviser ce même code. Qu'il faut reviser. Alors, beaucoup d'innovations que l'on va essayer de voir. C'est vrai qu'il y a eu un vrai débat autour de la dot, mais en réalité, cette loi a beaucoup plus porté, un peu plus qu'au-delà de la dot, sur des grandes réformes. Mais bien, il faudrait en parler. Voici un élu qui pense que la politique, c'est bien, mais la politique, ce n'est pas tout. Il est professeur, pasteur, avocat, chercheur, analyste. Honorable Mbaou, Daniel, comment allez-vous? Moi, je vais montrer, cher Christian Bossembe, je suis très heureux, une fois de plus, de copartager le plateau avec vous. Oui. Je me souviens encore de la dernière émission qui a fracassé. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. J'imagine qu'on pourra, cette fois-ci, interagir et communiquer pour faire comprendre à ceux-là qui n'ont pas pénétré les textes à pouvoir les ruminer. Alors, vous êtes aujourd'hui un jeune Congolais élu qui monte en flèche, non pas une montée fulgurante au niveau académique, parce que là vous êtes professeur il n'y a pas longtemps, donc sinon les plus jeunes de professeurs, ou parmi les plus jeunes professeurs, parmi les plus jeunes élus, mais vous avez une loi qui n'a jamais été abordée, une proposition qui n'a jamais été abordée depuis le temps.
Non, je dois dire, Christian, vous et moi, nous sommes de la génération du renouveau. Oui. En fait, nous sommes de la génération d'hiatus. Alors, on tente d'apporter un fêtre de correction, si vous voulez, avec beaucoup plus d'humilité, hein, par rapport aux éléments qu'il y a eu dans le passé. Et nous, on a toujours dit, ça c'est vraiment notre credo, que nous tenterons autant que pour se faire, à faire, la politique autrement. Et ça, c'est ce que vous dites très souvent. Autrement. Également ramener les débats institutionnels sur le rivage de la rue. Ok. Voilà, quand je dis sur le rivage de la rue, c'est-à-dire qu'il faut aborder des vraies questions. Parce que quand on est en politique, ce n'est pas simplement pour des raisons manoucratiques, pour des raisons institutionnelles et superstructurelles. C'est d'abord pour des raisons fondamentales. Et ces raisons fondamentales cadrent avec l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est leitmotiv. En réalité, de l'existence de l'État, écoutez, à moins qu'on n'aille pas suffisamment du temps, tu sais, non, la conception de l'école de Bordeaux, ce qu'il n'y a pas d'État sans intérêt général. Mmh. Avec le douane du guide, il n'y a pas d'État sans service public. Et pour l'État, c'est une machine de production d'intérêt général. L'État n'est pas simplement ce vaste appareillage institutionnel. Il cesse d'être un État structurel, politique, il devient État machine. Un État qui est permanemment, si tu veux bien, avec les peuples, la population, pour y apporter des solutions concrètes. Et les solutions concrètes, ce n'est pas dans les débats institutionnels, ce n'est pas dans les débats de la nationalité pour des questions électoralistes. Les vrais problèmes, ce sont des problèmes sociétaux, notamment des problèmes liés à la famille. Beaucoup de gens n'ont jamais compris que, au-delà de la Constitution, dans notre pays qui est la Bible politique, les documents de base qu'un citoyen devait avoir, c'est le code de la famille. Donc, le code de la famille, c'est un document important qui renferme nos droits civiques. Et pourquoi vous commencez avec le code de la famille, alors que vous êtes avocat, vous auriez pu commencer par le code pénal, Parce que ça sont des segments secondaires de la société. Okay. Dans une société, il y a deux grandes institutions. La première grande institution, qui est l'institution des institutions, c'est l'État. Vous voyez, au niveau superstructurel. Mais au niveau basique, c'est la famille. Il faut commencer par réguler la famille. Qui est une vraie cellule en tout cas. Justement. Parce que la grande institution a besoin des citoyens. Alors qu'au Congo, il y a une crise de citoyenneté. Et il faut créer des citoyens à partir de la base. Et les vrais problèmes doivent être résolus au niveau de la base. Vous et nous, notre génération, nous devons créer une nouvelle société qui prendra sa responsabilité. Une nouvelle génération qui prendra sa responsabilité. Je m'explique. Vous savez, on va aborder la question de la dot, la question de famille, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'écarts que nous constatons dans notre société. Enfants de la rue, union libre, guerre, rébellion, ainsi de suite. Quand vous regardez la plupart des cas, c'est parce que la famille a échoué. Parce qu'il y a eu des petits soucis, des obstacles qui ont empêché à la famille d'émerger. Alors ici, nous venons apporter des réponses adaptées à cette problématique. Et c'en est une proposition. Alors, mais il y a d'autres propositions qui vont encore venir renforcer parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, mais honorable, alors, des segments qui touchent par exemple à l'emploi. Je veux bien dire, je propose, j'ai déjà des textes qui sont pratiquement au frigo, mais le comble, cher Christian, je ne suis pas seul, on est à 500. Et puis, il n'appartient pas à un député de fixer la politique de l'emploi, la politique nationale sur l'emploi. Nous avons nos warriors qui ont été dûment investis, il appartient à notre gouvernement, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime que j'accompagne, de pouvoir mettre des politiques publiques. Alors on va revenir sur la question de politique, rentrant sur les questions essentielles à la famille. Vous savez, Platon dit par exemple, si vous voulez voir le pays, l'avenir de votre pays, il faut regarder dans la famille. Ouais. Si la famille est désordonnée, désarticulée, eh bien, vous aurez un état désaxé comme on est en train de le voir. Et vous touchez la question mère, on va dire la question de l'union, la nature de l'union, le début de l'union. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu ça dans votre chair, cette injustice, ce problème, pour vous inspirer de la situation, ou ce sont vos électeurs qui vous ont vu pour dire « on en a assez, voici le problème à ce niveau, on est à... » Quel a été le diagnostic que vous avez posé? Non, ben justement, d'abord, je fais un constat. Bon, ça, c'est un constat des chercheurs, avec j'ai pris de la hauteur. J'ai remarqué qu'il y avait un foisonnement culturel. Alors, ce foisonnement culturel avait produit un désordre sociétal, une disparité en termes de coutumes, en termes de pratiques, alors que dans l'entretemps, la société est moulée dans un dispositif moderne.
Donc on sent qu'il y a une forme de revendication culturelle, multiculturelle dans la vie de société. Cette revendication plurielle, multiculturelle, induit un désordre sociétal qu'il faille réguler. Ça, c'était une approche, d'abord une approche scientifique et technique. Mais après, je dois dire, il faut être honnête, que j'ai été intéressé par beaucoup de mes électeurs qui m'ont dérangé, qui m'ont dit que c'était une question épineuse, la question de la dot. Ben, je me posais la question, ben, écoute, je suis scientifique à mon statut, je ne peux pas quand même toucher les côtes de la famille sur un seul segment. La dot, faire une proposition de loi avec 3-4 articles, ça ne ferait pas quand même sérieux. C'est comme ça, j'ai fait une étude générale, je me suis arc-bouté sur les travaux préparatoires du Code de la famille de 1987, les travaux préparatoires de la réforme de 2016, mais également sur les travaux, des riches et abondants travaux de la commission des réformes du droit congolais. Donc j'ai été très nourri par des éléments pointus, des éléments de la doctrine, des éléments de société, mais également des valeurs chrétiennes, parce que je suis homme d'église. Moi, j'organise des mariages dans mon église, je gère des couples dans mon église, je vois comment par moments ça désaxe. Et c'est même là le plus grand problème quand vous emmenez vos valeurs chrétiennes dans une affaire qui concerne tout le monde. Mais on va revenir. Mais parlons d'abord, le code de la famille a été inspiré du droit éthiopien où on a quand même évoqué beaucoup d'éléments, beaucoup d'apports et ainsi de suite. Est-ce que vous avez fondé votre argumentaire sur une étude comparée? Justement, je fais du droit comparé. Je dois vous avouer que j'ai lu les droits camerounais, les droits gabonais, les droits du Congo-Brazzaville. Oui. J'ai fait aussi une étude du droit burundais. Je dois vous affirmer qu'au Cameroun, il y a déjà une avancée considérable. Et aussi, ils sont caractérisés par un foisonnement culturel. Mais pour réguler cette question de dot, ils ont légiféré dans leur code pénal, à l'article 357 des legge facere. Ils ont prévu une prévention qui sanctionne l'excessivité de la fixation de la dot. Ils ont déjà fait franchir un pas. Et pendant qu'on y est, vous et moi, je dois vous informer, je crois que vous êtes censé savoir, vous êtes un homme des médias, qu'en Afrique d'ici, le débat est relancé. Ils ont appris, à travers les réseaux sociaux, qu'il y avait un réacteur donc, qui avait été, relancé ici au Congo. Ce réacteur, c'est votre humble serviteur qui a posé ces problèmes qui a pris l'ampleur. Mais pourquoi vous ne faites pas comme au Burkina Faso, où on a supprimé carrément la dot maintenant? Non, on n'en parle plus. Cette suppression de la dot, on ferait comme en Occident. Vous avez vu, il y a eu des chefs coutumiers qui sont passés au créneau pour dire, ben, écoutez, ça serait iconoclaste pour un député national de s'arroger les droits, d'anéantir. Sans un consensus social. Et je sais qu'au Congo, la dot a connu 3 temps. L'histoire de la dot. C'est vrai que ma proposition de loi touche, on va y revenir, 3 temps. Les premiers temps, c'est sous l'égide du code civil ancien. Vous savez, le code civil congolais, livre premier, on en avait 3. On en avait 3 codes. Il n'en reste qu'un seul code. Parce que le premier a été abrogé et qui portait sur la famille. Le deuxième a été abrogé, qui portait sur le bien. Et il n'en reste que le code civil congolais, livre 3. Mais dans l'ancien code, il faut les lire. Comme ce que nous critiquons sans lire les textes, ne serait-ce qu'en diagonale. Les Congolais, voilà, généralement, pas tous. Je sais que Bossembe lit. Il a cette culture de lecture. Donc, ce code ancien n'a pas considéré la dot comme un élément, un critère déterminant de la célébration du mariage. Parce que la doctrine est unanime. Lorsqu'elle souligne que l'homme blanc faisait fi de nos coutumes et estimait que nos coutumes c'était en quelque sorte de la sorcellerie. Mais dans bien des matières où on a vu l'homme noir, l'homme blanc ignorer quasiment nos coutumes. Mais ça nous a finalement rattrapé parce que l'ignorance de toutes nos coutumes a entraîné un désordre sociétal et l'irrespect du droit qui est. Parce que tu vois, il y a un droit, mais qui souffre de l'irrespect et de l'inefficacité. Parce que les destinataires n'en croient pas. Alors, il fallait revenir en 1987. Et lorsqu'on y revient avec fracas, les législateurs de 87, du 1er août 87, intègrent la dot comme un élément de fond. Comme un élément de fond. Et un critère très déterminant pour la célébration du mariage. Et là, je suis pratiquement à l'article 363. Mais la question n'a pas été totalement résolue. La question a été abordée de manière parcellaire. Pourquoi? Parce que le législateur a dit que la compétence de la fixation de la dot devait revenir au président, pas de la République.
il faut le noter bien, le président du mouvement populaire de la Révolution. Qui était le président de la République. Absolument, qui était le président de la République. Mmh. On était dans une forme de monisme autocratique. Oui. Avec un président de la République hyper trop fiant. Mmh. Donc c'était le président Mobutu qui avait des compétences très étendues. Et donc il devait le fixer, pas seul, mais en concertation avec les assemblées régionales. Depuis 1987 à 2016, soit 31 ans, vous êtes de la génération 8, je l'espère. Par ma lecture faciale. Ça se voit. Comme souvent, mais oui, si, je suis de la même génération. Il y a pas de... Justement, ben, on a vécu des déboires, des dépassements. On a vu des congélateurs apparaître sur des listes des dots. Bien sûr. Ben, comme ça tombait comme un cheveu dans la soupe. Ben, ils ont dit que c'est l'évolution, et ben, ils ont adapté. Ils ont, la coutume est une donnée variable qui varie selon les temps, selon les circonstances. Vous vous rendez compte. Et le comble avec le Congrès, quoi. Lorsqu'ils veulent moderniser la coutume, ben, ils ovationnent, ils sont d'accord. Mais quand on veut rentrer vraiment à l'authenticité de la coutume, vous sentez qu'il y a des gens qui veulent aller à rebousse-poil. Ben, je disais donc que ça n'avait pas produit de résultats, cette réforme-là. Parce que depuis lors, le président du mouvement populaire de la Révolution n'avait plus aucune ordonnance. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, c'est ça qui devait nous intéresser. Pourquoi lui, qui était en ce moment-là le tout-puissant, n'a pas pu le faire? Pourquoi il n'a pas... Parce qu'il n'y avait pas un consensus. Oui. Mais pourquoi il n'y avait pas un consensus? Autour de la question. Je vais m'expliquer. C'est, en fait, c'est la première émission, en tout cas, très élaborée, où on va s'exprimer clairement sur des questions très techniques du droit de la famille. Parce que, simplement, la dot devait être fixée en fonction des régions. À l'époque, on parlait des régions. Parce qu'estimait-il en son temps, le président du mouvement populaire de la Révolution, que chaque région avait des réalités sociétales ou culturelles spécifiques. Donc il était difficile de construire l'unité dans la diversité. Si bien qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on se voit enclin de pouvoir proposer une forme de standardisation dans la disparité. Mais à l'époque, il était difficile. Il fallait qu'un travail de fond soit fait. Et finalement, 30 ans, il y a eu de la négligence. Plus de 30 ans, un travail de fond n'avait jamais été fait. Même pas un débat. Jamais été fait. Je disais tantôt, on a vu des congélateurs apparaître, on a vu des groupes électrogènes apparaître. Et même, il y a un danger qui nous guette dans les jours qui viennent. J'attends dire qu'il y a des gens qui sont prêts demain à demander même des parcelles. Et même des carrés miniers. Oui. Tu te rends compte. même des carrés miniers. Alors, il y avait un besoin de régulation aujourd'hui. Parce que les législateurs de 2016, lorsqu'il est revenu sur la question, au même article, il modifie. Mais il ne résout pas les problèmes. Parce que là, il renvoie d'office la compétence aux us et coutumes. Bon, cette fois-là, il ne dit pas aux us et coutumes de la future mariée. Mais il dit carrément des futurs époux. Donc, les futurs époux peuvent avoir des cultures antinomiques. Et lorsqu'il y a l'antinomie, il y a plus de risques que nous tombons dans l'anomie régulatrice. Et lorsqu'on est dans une anomie régulatrice, on est dans la théorie du dysfonctionnement. Alors là c'est trop savant pour plusieurs personnes. On va comprendre ça. Oui, justement. Alors, il fallait asseoir un équilibre, une juxtaposition. Et cette juxtaposition devait venir du législateur que nous sommes. C'était un devoir de régulation. Tu le sais, tu es un pertinent juriste. Merci. Que le droit n'a pas que pour fonction... La contrainte, le droit aussi a une fonction de régulation et une fonction d'harmonisation. Ça, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est Michel Tropper. Et que donc, il y avait un souci majeur de réguler parce qu'il y avait un désordre. Aussi bien dans le domaine des listes que dans le domaine de fixation du montant. Parce que le montant avait pris des allures et des proportions inquiétantes. J'ai vu des filles se faire doter ici à Kinshasa et à Lubumbashi, partout ailleurs, à 10 000, voire même plus. Il y a une forme de chosification de la femme. La femme s'est chosifiée et la femme est entrée dans un marché boursier inapparent. Est-ce que ce n'est pas finalement vous qui chosifiez la femme en fixant un montant? Parce qu'à l'époque, on ne fixe pas de montant. Donc, du coup, on dit, si c'est l'honorable Mbao qui dit, ben, j'aime ma femme, ben, je vais donner 10 000, ou je vais donner 7 000, ou je vais donner 4 500. Mais alors, vous dites non, c'est maintenant des 1 à 500. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez donné une valeur marchande, finalement, à cette femme-là? Non, pas du tout. Nous régulons. C'est comme les frais académiques, non? C'est une décision d'autorité, une décision administrative qui s'applique aux femmes comme aux hommes. Pourvu que vous ayez la qualité d'étudiant.
C'est un montant qui est fixé. Mais pour un homme qui aime sa femme, je veux donner plus. J'y arrive, j'ai prévu une clause de convention numéraire. Les gens ne les lisent pas. Mm. Ça veut dire que ce montant-là que je propose, 500 dans les milliers ruraux, et 200. Dans les milliers urbains, et 200 dans les milliers ruraux, ce sont des fourchettes. Les maxima, c'est ce qui se fait dévoilement. 200, 500. Mais lorsqu'on est dans cette fourchette-là, on est dans la légalité. Ce montant-là, ce n'est pas une mise à prix, mais c'est une facilité légale. On donne la possibilité aux jeunes de se marier, je ne dirais pas en quantité industrielle, mais de plus se marier, de fonder des foyers, parce que c'est la vocation de notre constitution à l'article 40. La constitution nous fait un appel des pieds, une invitation à nous marier, notre constitution qui est notre projet de vie. La constitution dit que tout Congolais a le droit de se marier avec une personne de son choix, envie de fonder son foyer. Et le code des familles va même plus loin pour dire non simplement qu'on fonde des foyers, mais il décline un autre objectif en disant pour perpétuer les espèces. Mais là, on ne dit pas beaucoup. On ne dit pas exactement des sexes opposés, alors que c'était bien avant. Avant, c'était vraiment très clair, des sexes opposés. Mais aujourd'hui, on a encore l'impression que ça... Non, mais c'est dit, non, la Constitution, des sexes opposés. Même dans le code de la famille. Il faut que je le dise. Dans le code de la famille, oui. Mais la Constitution, on dirait que c'est... Non, la Constitution, je vais... Non. Si tu veux bien, on peut réengager ce débat. C'était un débat de sémiologie. Il n'y a pas de problème. Il y a vraiment pas de problème. Ce débat était dépassé. C'est les droits constitutionnels de la virgule. Pourquoi avoir placé la virgule quand le constituant dit que de se marier avec une personne virgule, de son choix virgule. Et là, le débat, c'était sur l'homosexualité. Le débat, ce n'était pas sur la polygamie. Non, c'était sur l'homosexualité. Sur l'homosexualité. Très bien. Alors, je voudrais qu'on évolue un peu sur la question. Alors, on va d'abord voir les 9 points et puis on va les aborder les uns après les autres. Alors, voici les différentes innovations que vous apportez dans cette loi. Premièrement, c'est la réorganisation ainsi que l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. La reddition et la dévolution ainsi que la pénalisation, l'intrusion illégale des tierces, de mauvaise foi dans la petite succession désormais dévolue aux seuls héritiers de la première catégorie. La pénalisation de la désignation d'un nouveau liquidateur avant le relèvement de celui qui était désigné. La réorganisation du droit international privé à travers la réaffirmation et l'assouplissement de principes applicables aux étrangers et aux situations représentant un élément d'extranéité. La faculté pour la femme exerçant une fonction importante et hyper rémunérée de fixer l'accord préalable de son conjoint, la résidence et être suivie par son époux. L'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation. L'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de polygamie. Là, beaucoup de gens ne vous ont pas beaucoup aimé, en tout cas. Et puis, la suppression du caractère simpliste des fiançailles et leur convention statutaire en promesse solennelle. Et la fixation maximale du montant de la dot, la possibilité de la pénalisation de son dépassement et la fixation des frais de l'état civil par l'enregistrement ainsi que la célébration du mariage. Je voudrais qu'on commence d'abord par le 9e point et puis on va remonter jusqu'au premier point. Ouais, justement, pour raison de l'économie de temps, je voudrais, parce que vous l'avez déjà fait, vous avez cité différentes innovations, je voudrais qu'on puisse, si ça ne vous dérange pas, faire un focus sur des éléments saillants. Exact. Vous proposez quel point? Par les fiançailles. Le fiançailles, par exemple. On va à la dot et puis on va atterrir sur la polygamie. Très bien. Commençons par la fixation d'abord des fiançailles. L'honorable Mbaou, selon vous, les fiançailles commencent? Et si vous voulez d'ailleurs, comment vous définissez les fiançailles? Est-ce que vous avez apporté une innovation dans la définition des fiançailles dans son encadrement? Ben justement, jadis, les fiançailles étaient définies comme une promesse, une simple promesse de mariage qui n'obligeait pas les fiancés à contracter mariage. Et on a recelé un certain nombre d'abus et de dépassements, non simplement en termes de délais, mais en termes aussi de violations des droits des tiers. Et ce qui a fait que nous avons décidé de redéfinir d'abord les fiançailles et qui ne sont plus une simple promesse. Les fiançailles sont désormais une promesse solennelle et une étape décisive qui marque le processus du déclenchement du mariage. Mais ça reste une promesse, honorable. Ça veut dire une promesse, mais qui est solennelle et dont la cristallisation s'est faite dans le temps. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui,
toute relation ne peut être considérée comme fiançailles. Tu peux être dans une forme de copinage, 10 ans, 20 ans, parce que c'est une question de sentiment. C'est une liberté autonomique. L'État doit s'interdire d'interférer dans la sphère autonomique des individus, des particuliers. Cette question ne peut pas relever de la compétence de l'État. Le copinage. Mais à partir du moment où vous décidez d'approcher une famille pour officialiser vos relations, il y a du sérieux. Les mariages, tu le sais, il doit être honoré de tous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et les lignes conjugales, l'exemple de tout suivre. Et honorer les mariages commence par la considération du processus qui précède les mariages. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, je vais citer l'église branhamiste Shekinah, on voit comment les pasteurs s'impliquent dans le processus de renforcement des valeurs qui entourent le mariage. Donc, le mariage est très suivi de près parce que l'idéal, c'est de former des bons citoyens qui seront issus de ces couples-là. Alors, les fiançailles, désormais, vont avoir une durée annale, durée d'une année, une seule fois renouvelable. Pourquoi une année, une seule fois renouvelable? Parce qu'on a constaté des fiançailles qui se sont inscrites dans la durée et qui se sont mal soldées. Généralement, des jeunes, élégants comme Christian. Comme vous, d'ailleurs. Christian, merci beaucoup. Il a tendance à le faire. Ben, il y a des jeunes qui le font. Moi, je suis marié, donc je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Hein. Mais des grands dragueurs. Oui. Voilà, il sait comment caresser dans le sens des poils. Comment épater et appâter une femme. Il a cette femme durant 15 ans, 10 ans, voire même 20 ans. Et puis après, ça finit par une note de déception. Et la tendance est de dire à la femme, écoutez, vous ne m'avez pas convaincu. Autour d'un verre. Et de manière très simpliste. Et entre-temps, lorsque vous faites la chronologie, la femme avait 25 ans. Le jour de la cessation des liens ou le jour de la rupture, elle a 40 ans. Donc, elle perd toute sa vie. Mais vous n'allez pas incriminer un homme pour la naïveté de la femme? Non, et regardez. Et beaucoup de et les hommes alors qu'ils ont attendu longtemps. Nous devons créer une société des valeurs. Oui. C'est comme ça que nous disons que les fiançailles ne sont pas n'importe quelle relation. Si vous faites une année et que vous ne vous mariez pas et que vous ne renouvelez pas, les relations vont être dissoutes de plein droit. Mais si vous voulez rompre dans la durée, il y a un juge des fiançailles, il faut les saisir et porter les faits à la connaissance de ces juges. Il vous autorise sous la base du motif que vous avez présenté. S'il s'avère que le motif est fondé, le juge vous rendra un jugement de fond et vous allez vous dessaisir. Les fiançailles, là au niveau des fiançailles. Oui, le jugement est insusceptible d'appel. Sauf peut-être pour cas de réparation. Parce que la question des réparations, je ne la crée pas. Elle existe depuis 1987. J'ai simplement apporté un renouveau sur cette question-là. Et la proposition s'inscrit dans la perspective de la protection de la jeune fille. Nous devons protéger la partie la plus faible. Mais de l'autre bord également, nous protégeons l'homme contre les abus aussi de la jeune fille. Bien sûr. Ça peut arriver qu'une femme ait 4-5 partenaires. Oui, elle te fait croire que c'est toi alors que ce n'est pas toi. Et finalement, lorsque tu découvres que ce n'est pas ça... Oui, ou elle se marie carrément. Quoi. Justement, tu as la capacité, j'allais dire, tu as le plein pouvoir de saisir les juges pour en obtenir rupture. Mais là, tu sais que ce n'est pas moi qui règle, c'est le code civil, le code de la famille ancien qui règle la question des restitutions des biens. Ce n'est pas tout bien qui est restituable, on tient compte de la coutume, mais en même temps, on tient compte du fait que si ces biens-là a été déterminant pour les fiançailles, ça veut dire, tu vois, nos filles de qui, généralement, tu la rencontres à Rotana, et tu lui fais une promesse de mariage, elle refuse, et elle te demande un iPhone Pro X, Pro 11X, Pro 12, quelque chose comme ça, là. Vous lui faites cet iPhone et puis après elle dit bah, écoute, ces garçons ne m'intéressent pas. D'ailleurs, il met des vestes. Moi, je veux des gars qui mettent des t-shirts là et puis voilà. Elle te quitte. Mais si elle te quitte comme ça, bah, ça c'est la loi qui l'a dit. Tu as la latitude d'obtenir la restitution de ces biens là. Ça, c'est pas moi. Oui. De ce bien, de l'iPhone. Est-ce qu'il est déterminant dans le processus? Si, par exemple, elle t'avait dit, bah, écoute, tu me donnes l'iPhone, si tu veux m'épouser, donne-moi l'iPhone. Ah, là, c'est déterminant. Ça, depuis 87. Ouais. Bon, quand on dit des choses comme ça, les gens qui lisent pas, ils pensent que ce sont des révélations troublantes. Or, ça existe. Tu vois, avec cette proposition de loi, nous avons donné l'opportunité aux Congolais de découvrir leurs droits fondamentaux. Les vrais droits, c'est dans le code de la famille. Donc, en Lingala, on va dire, yo, oyena mobe koana,
pour battre la moi battre la mon donc pour la moi on va escroquer mi bali que ngai tous ensemble foutre la classe et le pauvre monsieur qui donne l'argent, au bout de 6 mois, il s'en occupe sur Facebook, moi je suis à Bali. Qu'est-ce que l'homme fait? Ce garçon, il fait quoi en ce moment? Un ami, tout le temps à tu le sais. Peut-être, la bandale, va mêler Marc X. Mes condoléances en tout cas. Mais tu te rends compte. C'est-à-dire qu'on veut créer une société des valeurs. Mêler Marc X. Alors, des faits comme ça, la femme dit non, ben, c'est toi qui nous promets tes mariages. Ouais. Et la femme s'est dessaisie. Et aujourd'hui, Marc X, c'est un gars, un petit jeune homme là, qui a fini ici à l'UPC, qui roule avec. Alors, vous voulez corriger ça, au fait? Donc, ça veut dire qu'on veut corriger, en fait, toutes ces... Mais un an, est-ce que c'est pas trop? Un an, est-ce que c'est pas peu? Est-ce qu'on connaît quelqu'un pendant un an? Mais justement, je veux bien que ces cadeaux-là soient des simples libéralités. Ce sont des simples libéralités, on ne peut pas restituer, tu vois, dans un cas de copinage. Mais si c'est déterminant pour le mariage... Ça, c'est pas moi qui... C'est le rédacteur de 87. Oui, depuis 34 ans. Alors, pour les femmes, 34 ans. Non, la première année. Non, mais ça, c'est pas moi. C'est déterminé maintenant. Et les compatriotes qui nous suivent, en fait, Maître Christian Bossembe, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il a lu le code depuis 87, depuis 34 ans. Il est au courant que Batangi sur San Zambo, on a trouvé Batangi c'est avec classe. Parce que il sait Koko Sanza. Donc ça veut dire que nous, on veut créer, en fait, on veut vous rappeler simplement des valeurs exact. Qui sont renfermées dans votre code. Et ça renvoie même au respect de la parole donnée. Il faudrait quand même donner que les gens respectent leur parole. Tu sais, je vais te faire rire. Un gaillard a voulu se faire flanquer à Paris. Justement parce qu'il a trompé trois femmes. Ouais. Il a dit « j'étais ma trois femmes ». Tu vois, nous, dans nos gènes, nous avons la polygamie. Nous vivons la polygamie, mais la loi parle de la monogamie. Il dit « j'étais ma trois femmes ». Alors là, ce sont des phrases qui sont fortes, qui sont auréolées de sacralité. On ne dit pas « j'étais ma une fille française » comme ça avec facilité. Et ses filles se sont rencontrées et ses filles se sont liguées contre ces messieurs. Donc, il a failli se faire bastonner à Paris parce qu'il a utilisé, il a sorti cette phrase magique avec légèreté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté, c'est que je suis d'accord avec vous. La légèreté autour de « je t'aime », les hommes et les femmes se disent « je t'aime » comme vous n'avez aucune idée. On se retrouve le matin vers un guiringuiri, quelques minutes après on s'appelle déjà chou, le soir on est fiancé et demain on se promet le mariage aussi bêtement comme ça et puis une semaine, deux semaines après, on se sépare. Donc alors, mais comment encadrer cette histoire qui est devenue, je veux dire, culturelle. Bon, en fait, justement, on encadre cette question, cette dérive culturelle à travers la normation. La normation, c'est la régulation. Et cette proposition de loi participe à l'encadrement. Et pendant un an, il y a des gars ici à Kinshasa et même à Lubumbashi, à Goma, ils me suivent, qui se sont fait passer fiancés cette fois. Oui, bien sûr. Et justement, on l'a chanté. Moi, j'ai un cousin, je l'ai dit sur Top Congo. Un cousin, je ne vais pas citer son nom. Il est allé fiancer cette fois. Ouais. Plus de cette fois. Et il y en a, en fait, qui utilisent les fiançailles comme une forme d'astuce. Vous rencontrez une femme rigide, une fille rigide, qui ne veut pas s'ouvrir. Et vous utilisez cette astuce-là. Ouais, vous allez rencontrer. C'est le mot de passe, quoi. Ouais, vous défiez son père. Ouais. Alors ça, c'est une marque d'irrespect total à l'endroit de ces messieurs. Vous les défiez en lui donnant quelques casiers de bière. Et puis après avoir connu la fille, pff, les gars, ils prennent la poudre de scampette. J'ai envie même de vous poser la même question. Et j'en ai vu même. J'en ai vu, moi, à Kinshasa. Ce sont des cas de dérive. Hein. J'ai vu des gens mariés. Hein, aller faire des bêtises comme ça, bien, ouais, avec des filles qui ne sont pas mariées. Qui ne savaient pas par ailleurs que ces jeunes gens étaient mariés. Et puis écoutez, il y a une dame qui est venue me voir qui me dit honorable, il faut légiférer sur ça parce qu'il y a des hommes bah vous zola kaba aussi bah alliance ça là bas ça là boy ça il faut bah ça moni alliance n'est pas une gazaboy bah lui savant parce que la carte alliance ça ouais bah tu es boyé et tu as tracé donc ça le moni il y a pas de traces tu vois comme toi trace c'est ça. Toi, tu es un expert. Hein? Oui, il faut ça. Parce que j'ai vu des gens faire ça. Tu m'informes, moi, je suis pas au courant. Moi, j'ai vu des gens faire ça. Et puis, tu sais qu'il y a des vieux ici à Kinshasa. Vieux, excusez-moi, je crois qu'on parle à une génération. Des vieux, il y a casquettes. La Kinshasa, qui sont prêts à accompagner même des hommes mariés. Bien sûr. Il n'est pas de la famille, il est membre. L'homme est Louba. Mais ils vont faire l'aventure chez soi, ils font. Oui. Et il se fait passer pour papa. Oui. Et il prend un vieux du bandundu du coin. Il le fait passer pour l'oncle.
Et puis il y a la cérémonie, il donne, et puis c'est fini. Pourtant, c'est de l'escroquerie. Ça frôle la bigamie. Or, la bigamie est proscrite depuis 87. Et vous avez dit ça d'ailleurs. Vous avez, depuis 87, ils vont enregistrer même le mariage. Tu sais, en fait, c'est à cause des faits comme ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup de conflits de succession. Parce que les enfants naissent de plusieurs lits. Ouais. Je suis avocat, j'ai vu des enfants de même père s'entrer attaquer en justice. C'est tué même. C'est tué même. Ouais. Il y en a un que j'ai vu qui est condamné aujourd'hui à 10 ans de servitude pénale, qui purge. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'un autre lit. Tout ça, c'est parce que ses enfants naissent dans des conditions peu honorables. C'est comme ça, bon, à l'occasion, hein, j'estimais qu'il fallait aussi pénaliser la polygamie. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent à Capella, à Nyangwe, c'est dans des contextes... Mais là, ce n'est pas la polygamie, parce que la polygamie, c'est le mariage. En fait, oui. C'est le processus qui va vers la polygamie. Okay. Ici, j'ai parlé d'une célébration. Attention, il y a une différence entre la polygamie, la bigamie, la polygynie, la polyandrie. Oui, la polygynie. La polygamie, c'est l'ensemble de toutes ces choses. La polygamie est absorbante. Oui. La polygamie, elle, elle se cristallise sous deux formes. Sous la forme polygynique, lorsque c'est l'homme qui a plusieurs femmes. Exact. Sous la forme polyandrique, si c'est la femme qui a plusieurs hommes. Plusieurs hommes. Et puis, il y en a qui bypassent la bigamie pour aller célébrer en famille. Oui. Sans enregistrer, en fait. Il n'enregistre pas. Comme il n'enregistre pas, il célèbre, ça s'arrête là. Il s'arrête là. Tu vois, alors, vous dites déjà là, vous dites, sera puni de 3 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende ne dépassant pas 1 million de francs congolais ou d'une de ses peines seulement. Quiconque s'étant engagé dans un lien de fiançailles fera de promesses de mariage à une autre personne devant sa famille avant la rupture de précédente. Maintenant, comment vous savez que le fiancé qui est lié par le lien de fiançailles avec Marie est allé voir Judith dans sa famille? Comment ça se sait et comment ça se constate? Non, mais ça se constate par toute voie de droit. Et j'ai même un cas qui est encore plus fort que ça. Ben, en fait, il y a une dame qui est venue me voir après m'avoir suivi. La dame est venue me voir pour me dire qu'il y a des cas terribles. Son mari n'est plus... Bon, pas il est mort. Son mari a quitté la maison depuis il y a déjà beaucoup d'années. 3-4 ans, et le mari est parti. Il a laissé des enfants. Mmh. Et la femme est restée souffrir avec les enfants. Comment la femme a découvert que le mari serait marié? Tu as posé la question. Comment on découvre? Dans les réseaux sociaux. Il a vu l'homme avec une jeune demoiselle de 22 ans, sur Facebook. Et l'homme avait déjà fondé un foyer quelque part. Et les enfants aujourd'hui vivent à la belle étoile. Mais ça, c'était un abandon de famille, un abandon de foyer. Oui, un abandon de foyer. Oui. Ça n'est un cas. Oui. Mais ça peut être aussi similaire pour un fiancé qui va te donner des promesses ailleurs. Dans les réseaux sociaux, on se voit, non? Même dans TikTok. Et là, c'est là à vous condamner. Parce que il y a des gens. On va me faire rire. Il y a une fille qui m'a raconté. Elle est mariée, elle, malheureusement. Elle est mariée à cet homme-là. Mais elle est surprise. Mais alors, quelle était sa grande surprise de voir la photo d'un joli bébé qui ressemble véritablement à son mari. Mais posté par la copine d'une de ses amies. Elle voit ça sur TikTok. Alors, elle se revient. Elle pose la question au gars. Alors elle ne demande pas au gars tout de suite qu'est-ce qui se passe. Elle prend la même photo, elle place dans son statut à elle, et quand son mari voit le statut, le mari n'est plus jamais revenu au fait. Alors, c'est quand même assez fréquent, hein, le manque de respect de la parole donnée, quand on a dit tout ça. Mais alors, est-ce que vous n'avez pas rencontré de contradictions sur la question? D'abord au niveau de la fiançaille. Bon, certainement, je rencontre des contradictions qui sont très apparentes et fantaisistes. Je dois avouer que je travaille avec des sociologues, je travaille avec des anthropologues, je travaille avec des spécialistes des droits civils. J'ai nourri vraiment ma réflexion avant de la porter sur la place publique. Je suis quand même un enseignant des droits. Je ne peux pas porter une recette sans l'avoir mûrie préalablement. Donc c'est un paradigme que je construis, que je place sur la place publique. Et je suis très heureux de voir combien les intellectuels sont très intéressés, combien ils critiquent. C'est comme la science grandit dans la contradiction. Et moi, je décèle la beauté de la science de la contradiction. Et je me dis que ces gens qui veulent me contredire, ils n'ont qu'à prendre leur mal à patience. Il y a des colloques, des symposiums qui vont être organisés. On va vraiment préparer des arènes propres à des débats qui vont permettre à ces gens de s'exprimer, qui vont me permettre humblement d'enrichir le projet. Et bien plus, tu sais qu'il y a une commission PAJ. Après que l'Assemblée ait déclaré la recevabilité de ces textes à la suite d'un débat général, la commission PAJ peut s'ouvrir aux experts. Donc c'est un texte qui ne m'appartient plus.
C'est un texte qui appartient à la République, à une génération. Il appartient à la République de s'en approprier et d'en ruminer. Vous voyez, l'état des droits s'incrustre quand? Lorsque les textes quittent les rivages du palais de justice, n'est-ce pas? Des grandes universités, pour s'appliquer dans la rue. Lorsque la population, vous voyez, pour une fois, la population s'en arc-boute pour revendiquer ses droits. Et c'est très intéressant. Et on a donné ça, la connotation de $500. On dit, vous avez suivi toutes les vidéos, non, finalement. C'est pas de la blague. Satirique et tout là. Et justement, ça c'est le côté sombre. Je ne veux pas vraiment qu'on y mette de la blague. Un buzz à la quinoiserie, non. C'est une question sérieuse de fond. C'est une question de vie, notre avenir. Je veux vraiment qu'on y mette plus de sérieux lorsqu'on en parle. Écoute, il n'y a pas de droit plus poignant, plus intéressant, plus important que le droit civil. Les droits qui sont contenus dans le code de la famille. Les droits au mariage, les droits aux fiançailles, les droits au divorce, les droits à la succession. Ce sont des questions qui nous hantent tout le jour. Alors, et nos juridictions sont totalement écumées par des contentieux qui se rapportent aux questions de la famille, aux questions de succession. Alors, je veux revenir sur la... Vous êtes pasteur, je rappelle. Vous êtes pasteur, vous êtes homme d'église. Quelle est la place des rapports sexuels dans le fiançailles? Parce que j'ai comme l'impression qu'on n'en parle ça, pas. Tu vas voir mon point de vue? Oui, votre point de vue. Bon, en fait, ça, ça n'a rien à voir avec la proposition de loi parce que je n'entre pas dans le domaine des sentiments. Le législateur n'en a pas la compétence. Oui. Donc, pour moi, s'il ne tient qu'à moi, les rapports sexuels avant le mariage sont proscrits. Alors, si les rapports sont proscrits, les hommes disent aujourd'hui... Et ça n'engage que moi. Oui, les hommes... Ce n'est pas opposable aux autres. Les hommes disent, par exemple... Quelle est la garantie? Vous avez dans nos coutumes... Non, mais maintenant, le comble, c'est quoi? Il y en a qui considèrent les rapports sexuels avant les mariages comme... Une preuve. Non, pas forcément une preuve. Comme un critère de confirmation. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. C'est-à-dire qu'il veut goûter à tout. Pour l'homme dit, ma cousin Yanga, tout ça l'ango. Non, pas forcément qu'à Yanga. Ouais. Il veut goûter à tout. Là où ça sent bon, il va. Ouais. Pour nous, ça va rassurer qu'il aura bien. Il aura bien. Ouais. Il y a faute à parler. Ouais. Alors, il y a autant de compensation, il y a autant d'éducation, il y a peut-être caché du tcha-tcha. Oui. Tu comprends? Mais il y a ça. Mais il y a aussi le fait que dans certaines familles, on l'oblige au gendre, je veux dire, au fils qui va aller voir une fille, on lui dit, moi, je suis au Zolingo, je suis au Yohana. On a la preuve qu'il y a beau tac. Ce qu'on a dit, c'est célébrer le mariage, on a Zalana, on a Zemi. Donc ça, le mariage, elle est grosse. Mais Christian, toi, tu sais que l'article 217 reconnaît l'autorité coutumière, non, de la Constitution. Exact. Mais cet article dit toute coutume contre Alleghem. Nous, on veut des coutumes pour être Alleghem, pour ce monde Alleghem. Mais qu'est-ce qui est contre Alleghem, là? Non, parce que la loi n'interdit pas. Vous avez dit les rapports sexuels avant le mariage. Alors, s'il y a un couple... Regarde, il y a même des familles qui vont plus loin, qui détestent même les hommes. Sur la bénédicité et sur la reste. Oui, chez les mamans, au nord. On dit, regarde... tu dois nous donner la preuve que notre fille sera satisfaite. On te sort des tentes, ainsi de suite, 3-4 femmes. Alors, si ces femmes, après que tu les aies connues, elles sortent de là et qu'elles confirment que tu es un homme, on t'accepte en famille. Bon, ils ont arrêté ça parce qu'il y a tellement de sollicitations que après le moral. Nous, les hommes d'église, nous ne pouvons pas appuyer ça. Oui. Tu vois une dame qui sort un peu, maman, oh, il m'a dit beaucoup, ça y est. Moi, elle a mis ça, moi. Non, mais écoute. Ils ont quand même des valeurs chrétiennes, non? Oui, chrétiens, parce que vous êtes chrétiens. Et là, on dira quoi? Et l'homme n'autorise pas ça. Et ils sont beaucoup plus rigides, d'ailleurs. Ils sont très rigides. Donc, mais quand tu touches une femme d'un musulman, tu meurs. Ils sont plus, tu sais, il y a des sanctions spirituelles qui sont plus sévères, plus drastiques. Que les alors, sanctions. Rentrons dans la dot maintenant, et puis on va parler d'autre chose. Mais sur la dot, Daniel Mbaou, honorable, les jeunes garçons, après lecture, ils se disent, mais... Ce qui nous tue, c'est pas forcément l'argent, le montant qu'on demande à la dot, mais c'est les objets, la valeur totale qui tourne autour de la question. Quand on me demande un jeune, pèse un congélateur. Quand on demande à un jeune, pèse un tronçonneuse. Alors qu'on est en train de lutter contre le déboisement. Tronçonneuse. Moussa Lobi, pèse un calibre 12. On lutte contre le braconnage. Mais un monsieur demande calibre 12 pour aller abattre les pachydermes. Tu te rends compte. Alors on se dit, mais est-ce que ce n'est pas vraiment là qu'il fallait attaquer? Aujourd'hui, même sur Tom Congo, j'en ai ri. Il y en a un qui a posé la question de savoir pourquoi Bazo Sengabilo quoi. Bamsoa Sengibiso sans carton tige coton. Alors, est-ce que ma toi et famille les a salité? Il va se couler tout. Je ne comprends pas. On dit 87 casiers de bière. Vous voulez ouvrir est-ce que vous font la terrasse tout de suite? Imagine. Hein? Bah toi, fais-moi ma terrasse. Mais je vous dis ici à Kinshasa.
sur leurs filles. Ouais. Ça, là, c'est la chosification. Ouais. Ça, c'est la chosification. Quand tu demandes 70 chaises en plastique, ouais. 40 casiers de bière, mais c'est toute une terrasse déjà. On s'est dit que c'est une radio à Sharp. Donc, c'est tout pour une terrasse. Et ce qui est fort, on vous demande même des griffes ouais. que la coutume ne connaît oui, pas. Oui, oui. Non, mais si tu ne m'amènes pas la chemise Versace, dis chemise Versace, ça passe pas. Ça passe pas. Bah, qui t'a dit que nos aïeux. Est-ce que ce n'est pas là qu'il fallait finalement attaquer? Est-ce que ce n'est pas là plutôt qu'il fallait la question régler? Elle est réglée. Oui. C'est-à-dire qu'on a réglé la question du montant. Oui. Et on a réglé également la question de la valeur totale. Et on a fait un encadrement juridique de la liste. Aucune liste aujourd'hui oui. ne peut être exécutée sans le stampille de l'officier de l'état civil. Ah, donc c'est au niveau de l'état civil qu'on va débattre. Ça veut dire que quand on demande à M. Christian la liste, M. Christian est mongo, M. Christian avait épousé une Moukwa Kalonji. On va à l'état civil, des experts Makakalongi qui vont procéder à la vérification de la liste. Mais si ça en est trop, ils vont brocarder des objets inutiles. Alors là, nous tombons dans les sentiments de nos parents. Je ne veux pas vouloir vexer mon père, je ne veux pas vouloir vexer ma mère. Et du coup, le garçon aura une pression. Il va dire, non, superstitieux à un moment donné. Il faut un dialogue avec cette proposition. Évidemment, voilà. Parce qu'il faut un dialogue sociétal. Je suis dans une logique dialogale lorsque je parle de cette loi. Je ne suis pas en train d'imposer à nos parents l'application de la loi. Mais je veux que la loi soit par contre acceptée, que ce ne soit pas une proposition imposée, mais une proposition qui résulte d'un consensus accepté. Ils doivent accepter. Et c'est de là qu'on peut déceler l'efficacité d'une norme. Parce qu'après ça, il y a une vie qui continue. Oui, et après, il fait compliqué parce que vous avez, par exemple, quand on dit à un homme de donner des vaches, 7 vaches, 8 vaches, 10 vaches, il en trouve beaucoup. Papa Christian, tu sais, beaucoup de nos amis qui ont pu divorcer. Pourquoi? Le seul motif, parce qu'ils n'ont pas pu prendre leur femme en charge. Exact. À dépenser trop le jour du mariage. Et puis le jour suivant, il n'a rien à bouffer à la maison. Parce qu'il y a une vie après la dot. Et les parents n'ont jamais compris pourquoi la fille est rentrée à la maison. C'est parce que la fille était tout le temps en conflit. Tu sais par moment comment les tensions montent dans nos maisons. Lorsque la femme veut quelque chose et que l'homme n'est pas en mesure d'assouvir à ses besoins. Lorsque la femme exige quelque chose, tu sais, on en a souffert hier, aujourd'hui, c'est vrai, on est député national, on sait comment jongler. Ce sont des faits qu'on a connus hier, que beaucoup de couples connaissent aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a toujours dit aux Kinois, ceux qui nous suivent à partir d'étranger, « Nzungu adot et si la kate, Nzungu adot et zamounen, Nzungu » Ça veut dire que, « Likamoyoko ya aka la famille, belle famille » Bon, ça l'a toujours. « Ils vont recourir à vous. » La dot, c'est une symbolique. Et nos filles qui disent, « Non, bon, je suis... Non, maman !» Bon, peut-être tu es sûr que tu as un mec qui te promet, mais rien n'est sûr qu'il va le faire. Mais beaucoup en souffrent. Je t'ai dit, Christian, j'ai été avec une ONG de femmes. Une ONG de femmes qui m'a appuyé dans cette démarche. Je pensais que cette ONG venait m'affaiblir. Cette ONG m'a sorti une statistique récente faite en 2017. Christian, 553 000 ménages, près de 553 000, ici à Kinshasa, vivent dans une union libre. Très dangereuse en tout cas. Luka Barumimbaga, il faut aller à ce moment. En fait, je veux que cette émission soit plus pédagogique parce que si on est trop technique, et ça, le message ne passe pas très bien. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Baza na lingua, la baza na ngaba, baza na makala, baza na bumbu, baza na lubumbashi, na mbandaka, bayaka to vanda. Yaka to vanda. Il y en a un qui m'a appelé au téléphone qui me dit, Natangi Saba, na to la fouta dot. Et il y en a un même qui m'a dit que chaque année, nazo obligé au bota parce que bazo koufa, bazo liyanga bana, ba matisi dot. Pour balia kanga bana, na otan ekolo, a été souhaité bon silika, balia kanga bana. Il y a la sorcellerie qui s'est immiscé dans cette affaire, Alors quand les gens disent que Yosa homme d'État reversé na ma spiritualité, qu'est-ce que tu réponds? Non, c'est pas la spiritualité. La spiritualité a un sens sémantique. Quand on dit la spiritualité, c'est comme si je vous demandais de sortir de votre croire, mais en fait partager mes croyances ou religion, ma foi. Parce que là, quand on parle à tout moment. Je ne fais pas chrétien. Non, je n'interdis pas à un député musulman de professer publiquement sa foi. C'est un État laïque. Je n'interdis pas non plus à un député de Bundudia Congo de professer. J'ai des collègues qui professent leur foi en public. Moi, je le fais parce que j'ai un double mandat. J'ai un mandat des jeunes. Ils m'ont envoyé pour des questions comme ça, des questions d'emploi. Je suis en train de préparer encore une autre proposition de loi sur des questions qui touchent à la sous-traitance. Et le deuxième mandat, c'est le mandat de l'Église. Les hommes d'Église m'ont voté. À la fin, ils vont me demander... Qu'as-tu fait du mandat? L'église de Dieu va me demander qu'as-tu fait du mandat que nous t'avons conféré. Ah, donc c'est plutôt les hommes d'église
leur mandat aussi. Vous portez leur mandat. Double mandat. Double mandat. De jeunes et l'église. Et l'église. Ah, les gens ont cru que vous étiez en train de dire que c'est Dieu qui vous a donné ce mandat-là. Non, ça veut dire que quand je dis l'église de Dieu, ce sont des gens avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Mm. Nous professons la même foi. Et si bien qu'il y a des députés aussi qui sont élus totalement par des musulmans. Mm. Mais lorsqu'ils arrivent, ils doivent porter des valeurs. Il y a des bonnes valeurs musulmanes. Écoutez, il y a des très... Je lis le Coran et la charia musulmane. Il y a des bonnes valeurs. Qui peuvent être traduites en proposition de loi et profiter à la nation. Donc ce n'est pas interdit. Je n'ai pas de conflit avec une quelconque confession religieuse. Je suis d'accord avec toutes les valeurs qui peuvent nous réunir. Si une des valeurs chrétiennes peut faire rayonner la société, pourquoi pas la promouvoir? Alors, comment vous, quand vous dites par exemple que la liste a d'autres, voilà, liste à vos 5 habillots qu'on a d'autres, et que vous allez soutenir les gens qui avant, vous avez une liste de lingui et tout, et que vous allez la siko et les kambouya, vous vendez, vous avez une liste de yo, il faut aller estampiller na autorité, je veux dire autorité officier d'état civil. Est-ce qu'il n'y aura pas de forum avant? Comment ça va se passer dans la pratique? Une famille qui est sollicitée à Bala, qu'est-ce qu'il fait en premier? À sa liste, il y a Tindeli, officier de l'état civil, officier de l'état civil à Tali, et puis à Estampillé. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Non, la procédure est simple. Vous donnez la liste. Les familles se rencontrent. Vous donnez la liste. La famille qui reçoit la liste va soumettre la liste à l'Estampillé dans l'exécution. Ok. Et lorsqu'elle reçoit la liste, elle vous communique la liste. Après Estampillé, elle vous dit ça, c'est prévu. Écoutez. Et en cas de conflit? En cas de conflit, il ne peut pas y avoir conflit. Parce que justement, l'autorité qui est saisie de cette liste a la latitude de pouvoir balayer toute contestation. Parce qu'il y a des familles où Moubali a Kyoko Senga, Abou Abala, moi aussi, mais moi aussi, on a trois mamans. Ou papa, on a attends, Abota qui, moi, c'est Naya Koufi, pardon, non, moi, c'est Naya Bakabouani, m'a divorcé. Abali, moi aussi, mon corps, Akoli, moi, on a pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais il y a des questions. Il y a des questions qui peuvent se régler sur équité. Donc, ex a quoi être bon sur équité. Mais il est quand même interdit que l'on puisse multiplier les biens de la dot. Ça veut dire, je sais qu'il y a des parents véreux qui vont s'abriter derrière les biens de la dot. À Sengisa, 50 zungwa ma famille. Oui. Donc, quand on était quand on parle libanais, mon bébé, pour récupérer de l'argent, ça, c'est proscrit. Très proscrit, ça passe pas. C'est 70 chaises à plastique. 70 ça passe pas. Dès qu'il a lu 14, c'est réglementé. Ici, en fait, on veut encourager la création d'une nouvelle race. Une race bridée. Une race qui est issue des familles, des couches de base. Parce que la famille doit nous produire des citoyens qui doivent aller à l'école. Et ce sont ces citoyens-là qui doivent gouverner la nation. Alors, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que vous avez plagié cette loi qui serait venue de Ludor Balekelaï, qui était député aussi, mais qui n'a pas obtenu le suffrage? Les gens rigolent. Ça s'appelle la théâtralisation de la scène politique. Tu vois, avec les réseaux sociaux, on théâtralise. Ça pourrait être aussi Christian Bossembe ou quelqu'un d'autre qui dirait que c'est sa proposition de loi. Mais il faut lui poser la question, est-ce qu'on est déjà potes? On n'est pas potes. C'est un monsieur que je vois qui me voit à distance. On n'a jamais dîné et dîlé. Où est-ce que je récupère son projet ou sa proposition de loi pour porter? Et entre-temps, lui, il dit qu'il a dit ça. Bon, le terme plagiat, peut-être ça a évolué dans l'entretemps en français. Il aurait dit ça en campagne, au Moamba, chez moi. Pendant que moi aussi, j'étais en campagne. C'est-à-dire, on ne s'est jamais croisé en campagne. Il s'est passé que moi, j'ai dit en campagne. Lui, il aurait dit ça. Et pourtant, Christian, cette proposition aurait été, si tu étais député, peut-être tu l'aurais porté aussi. Mais c'est à moi, je trouve que c'est déjà... Parce que c'est une question sociétale. Sociétale, donc je ne vois pas... Non, mais là, la question de loyer, je vais encore réformer la... En fait, il y a des gens qui ont parlé du loyer avant moi. Mais j'ai une proposition de loi en gestation sur le Bose loyer. Mais tu veux me dire que c'est moi qui suis la machine d'invention de proposition de loi en matière de loyer? Non, il y a un règlement intérieur à l'Assemblée nationale. C'est lui qui dépose les premiers. Il a priorité sur ceux qui viendront après. S'il y avait quelqu'un, il y a un collègue, je t'apprends, qui a déposé une proposition de loi qui porte sur la dématérialisation de l'état civil. Le collègue Moulumba, de l'IDPS. Il a déposé sa proposition de loi sous le code de la famille. Moi, je dépose ma proposition de loi sous le code de la famille, mais je touche plus de 40 dispositions. Je suis ailleurs. Je ne touche pas sa matière. Mais si on avait touché la même matière, c'est la proposition de Moulumba qui aurait été préférée parce qu'il a déposé sa proposition il y a 2 mois passés. Tu vois? Donc cette question-là, il faut la mettre sous le compte de la théâtralisation et de l'exhibitionnisme. Alors, il y a des gens qui sont en perte de popularité, qui veulent renaître. Ça veut dire qu'ils veulent créer une guerre dans les Moamba. Pour dire que voici son opposé, je suis là.
je t'apprécie beaucoup. Tu es monsieur brillant, monsieur Lido Balekelaï. J'ai du respect pour toi. Je n'ose pas entrer dans ces débats-là. Ça ne nous honore pas. Toi et moi savons la vérité. Qu'on n'a jamais dealé, on n'a jamais dîné, on n'a jamais discuté sur une proposition de loi qui t'appartiendrait. Très bien. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant, après la dot, parlons maintenant... parce que pourquoi je n'entre pas en détail dans toutes ces questions pour laisser finalement aux gens la latitude de poser des questions. Parce qu'il y a aussi une question, il y a des gens qui disent dans les réseaux sociaux, voilà, la dot est de la compétence de la coutume. Non, Christian, tu es juriste, tu sais que la compétence, c'est la loi qui crée la compétence. C'est, ou la constitution, disons, en termes techniques, c'est les textes créateurs de la compétence qui distribuent la compétence. Ces textes, en quelque sorte, peuvent être considérés comme une machine de distribution de compétences. Oui, mais quand on ne connaît pas la loi, quand on ne connaît pas le droit, c'est normal qu'on dise. Regarde, les gens racontent des choses. Hein. Tu sais, les compétences sont d'attribution, non, ça c'est la moindre des choses. Si. Il y a un principe général, en tout cas en droit administratif, qui dit que la compétence, c'est l'exception, l'incompétence, c'est le principe. Est-ce qu'ils savent ça? Donc quand on est incompétent, c'est le principe, la compétence, c'est l'exception. C'est-à-dire, toute autorité administrative, ça c'est en matière administrative, hein, est incompétente, à moins que sa compétence ait été prévue par un texte juridique express. Mais comme on cherche les textes juridiques express, qui dit que la dot est de la compétence exclusive de la coutume, alors qu'en 1987, c'est la loi qui confère cette compétence au règlement, à l'ordonnance du président de la République. Donc la compétence est en quelque sorte triale. La loi elle-même qui renvoie là au règlement, et le règlement s'arc-boute sur la coutume. En 2016, c'est la loi qui renvoie aux us et coutumes. Même pas seulement à la coutume, mais aux us aussi. Mais par la liste de réformes et de compétences étant, les législateurs peuvent s'auto-adjuger cette compétence. Et je vais encore plus loin. Qui vous a dit que dans notre passé récent, les législateurs n'est pas revenu sur certains principes de la coutume? La question de la dévolution, tu sais, non? La question de la dévolution successorale, c'est une question éminemment coutumière, non? Aujourd'hui, qui a réglé cette question? Bien sûr. Écoutez, la succession au Congo, la conception, notre conception traditionnelle, elle est communocratique, non? Basée sur la groupalité, la bisoïté. Et quand elle découle une soumère, les biens sont automatiquement transférés dans les patrimoines de la communauté. Mais le législateur belge nous propose sa recette. Et cette recette est reprise dans notre code de la famille. Lorsque vous lisez les articles 759, 764, les règles des partages. Les héritiers de la première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Est-ce que ça ne marche pas sous la coutume? Fumudifi m'a été où? En 1987, par exemple, lui qui s'est dit aujourd'hui défenseur de la coutume, quand la loi récupérait toutes ses compétences à des partages, quand la loi disait que dans le cadre d'une succession ab intesta, les héritiers de la première catégorie ont 75% de l'hérédité. Fumudifima, qui se passe aujourd'hui gardien séculier de la coutume, il était où? Le comble, c'est quoi? Ce que les Congolais veulent discuter sur des textes qui n'ont pas ne serait-ce qu'en diagonale. Bon, c'est vrai, parce que pour lui, il dit que vous n'avez pas contacté. Vous aurez pu le contacter pour qu'il vous donne la lumière coutumière. C'est vrai que c'est vrai qu'ils ont la latitude. C'est la démocratie aussi, le côté sombre de la démocratie. Bon, on a la latitude de discuter sur toute question sociétale nécessaire, si on le veut bien. Bon, je n'en veux pas à ces gens-là. Alors, revenons sur la question. Après la dot, on va parler maintenant polygamie avant de terminer l'émission. Disons un peu de succession aussi. Polygamie. Comment est-ce que vous comprenez la question de la polygamie? Je la comprends simplement en l'inscrivant dans la suite logique de la bigamie et de l'adultère. C'est là tout le problème. C'est ça tout le problème. Ça veut dire que la question n'avait pas été très bien réglée par les législateurs de 87. Parce qu'ils n'ont pas été. Et ces incomplétudes ont pu se manifester après la modification de 2016. Ce propos, vous le tenez parce que vous êtes au Congo, vous n'allez pas le tenir au Sénégal. Vous n'allez pas le tenir dans les droits à l'île Maurice. Il y a un principe de territorialité. Non? Oui. Nous avons nos valeurs, nos principes. Ces valeurs, en fait, sont en quelque sorte des acquis sociétaux. Regarde, en 87, ça fait 34 ans. Depuis là, le législateur a prévu la bigamie. A-t-on déjà vu une marche organisée ici à Kinshasa contre la bigamie? Ça dépend. Non, la bigamie, il faut expliquer. C'est... La bigamie, c'est le fait de contracter deux mariages. En fait, deux hommes précédents n'a pas été n'a pas été dissous. Ok. Alors, c'est fréquent à Kinshasa. Vous quittez une ville, vous servez votre mariage en ville. Oui. Et on vous retrouve à Lingbala. En train de célébrer un nouveau mariage. C'est la bigamie. C'est sanctionné. Ici, dans ma proposition de loi, j'ai actualisé les peines de la bigamie. Est-ce que la bigamie, c'est le fait d'enregistrer un mariage ou de le célébrer? Mais quand on célèbre, on enregistre, non? Bon, on peut le célébrer au niveau des familles, de la famille. Non. Et quand je parle de la célébration au sens civil du terme. Au sens civil du terme. Ici, je ne parle pas de la célébration au sens coutumier du terme.
Alors, si vous voulez, parlons de l'enregistrement, si vous voulez enregistrer deux mariages, alors vous tombez dans la bigamie. Ou trois mariages. Ou trois mariages ou quatre. La bigamie. Oui. Ça veut dire que c'est une proscription formelle. Oui, mais ça, c'est pas la polygamie. Non, la bigamie est une forme de polygamie. Pas vraiment. Regarde, oui. La polygamie, il faut lire les anthropologues. La polygamie, c'est le fait de pour une personne. Deuxième mariage. Je ne dis pas un homme, une personne, d'avoir plusieurs partenaires officialisés. Ouais. Plusieurs partenaires. Ouais. Je ne dis pas légalisé. Je pèse les mots. Non, c'est plutôt officialisé. Officialisé. Oui. C'est ça la polygamie. Oui. Donc la polygamie peut passer par la voie bigamique ou par voie polygynique. Alors c'est peut-être là le problème. Voie polygamique. Parce que bigamique, c'est lorsqu'il y a une. Bigamie, c'est déjà une infraction. Déjà une infraction. Oui, mais polygamie. Parce que le Congo a déjà déménagé depuis 87. Depuis que cette prévention a été consacrée. Pas du tout. Pas encore, parce qu'on a été avec, on a été apporté parce que ben, soit qui nous ont imposé deux choses. Non, à 87, c'est nous-mêmes qui avons rédigé notre code. Oui, suivant la logique de Ben. Non, nous-mêmes. Oui. Alors, j'aurais bien voulu depuis 87 que les Congolais organisèrent à l'époque des marches contre la bigamie. Ils n'ont jamais fait l'adultère. Un deuxième cas. L'adultère, c'est le fait pour un homme marié ou une femme légalement mariée. De donner ses faveurs sexuelles, si c'est la femme, ou d'aller rechercher les faveurs sexuelles ailleurs, si c'est l'homme, alors qu'il est dans un lien solennel de mariage. Tu sais qu'en cette matière, le législateur a été prudent pour sauvegarder les ménages. On l'a fait ainsi avec la bigamie, cette fois-ci, et avec la polygamie, dans ma proposition de loi. La poursuite n'est pas automatique, comme pour toute autre prévention. La poursuite est subordonnée au dépôt de la plainte préalable de la partie qui se prétend offensée. Là, c'est ce qui ou est la victime. C'est depuis longtemps, non ça, ça n'a pas c'est depuis longtemps. C'est mais on le fait maintenant avec la polygamie. Tu sais pourquoi? La ratio légale, c'est quoi? On veut protéger le ménage parce qu'il est rare qu'une femme aille en justice contre son mari. C'est pas pour faire d'adultère. Alors, on l'a fait aussi maintenant avec la bigamie et la polygamie. Bon, c'est juste une forme d'épouvantail légal. Peut-être le terme qui pose une forme d'épouvantail, les gars, parce que la polygamie est absorbante et globalisante. Il y a des gens qui ont bypassé la bigamie pour faire la polygamie. Il dit que j'ai 4-5 femmes, j'ai officialisé, j'ai donné, j'ai célébré en famille, mais je ne suis pas allé enregistrer. Par peur de la bigamie. Devant la loi, là, c'est une. Par c'est peur c'est de l'adultère. Mais pas la bigamie. C'est une forme d'adultère prolongé. Oui, oui ça c'est l'adultère. Et non, là, je suis mal à l'aise quand vous parlez d'adultère. Très bien. Très mal à l'aise. J'ai dit avec autorité. Oui, oui. D'ailleurs, que c'est mon point, ça m'engage. J'ai dit avec autorité. La polygamie, en quelque sorte, passe pour une forme d'adultère prolongé. Mais par contre, l'adultère passe pour une forme de polygamie occasionnelle. Tu vois? C'est là que le problème, parce que cette émission est suivie par les Gabonais, par les Maliens, ouais. par les Tchadiens. Et quand ils entendent qu'un élu, un député, de surcroît professeur, dire que la polygamie est de l'adultère, mais c'est un sacrilège énorme. Non, c'est pas un sacrilège. Oui, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire vraiment la polygamie. Non. En fait, il faut toujours donner des affirmations en fonction de votre droit positif. Ah d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis professeur d'université, j'assume ce que j'ai dit. Je ne suis pas professeur de droit constitutionnel malien. Ici, je parle du droit congolais. Ok. Le droit congolais, c'est l'adultère est puni en droit positif congolais autant que la bigamie. Oui. Et la bigamie, il faut interroger les anthropologues. La bigamie est aussi une autre forme de polygamie. Bigamie, bis. On va dire bi, deux. Nous sommes en latin. Oui. On parle latin, oui. C'est pas notre langue. Polygamie, polis. Plusieurs. Oui, gamie, lien. Vous avez le mariage. Justement. Mm. Et la polygynie, c'est lorsque l'homme a plusieurs femmes. Ouais. La polyandrie, c'est dans notre cosmogonie, la polygamie. Mais parce que nous avons hérité un droit monogamique. Notre droit, il est monogamique. Il a été imposé, ouais, il faut dire ça. Non, mais ces droits-là, nous devons les tropicaliser. Ces droits souffrent d'une crise de transplantation parce que ces droits rencontrent des effets internes qui les repulsent. Alors, il faut coordonner. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a un souci de standardisation. Alors, si vous dites ça, alors il faut autoriser deux mariages ou trois mariages pour être... Pas du tout. Votre constitution, c'est votre livre de vie. Mais qui peut être changé? Qui peut être modifié? Non, mais écoute, tant qu'elle n'est pas encore modifiée, cette constitution produit ses effets. Exact. Et d'ailleurs, je suis le seul à qui estime avec Kelsen que l'État ne peut être défini comme un système de normes hiérarchisées au sommet duquel trône la Constitution, que toutes les règles doivent tirer leur pertinence de la Constitution. Si votre Constitution, en son article 40,
proclame la monogamie. Qui es-tu, Christian? On veut bien. Qui es-tu, Christian? On veut bien. Pour l'affirmer devant ta caméra et dire aux Congolais que le professeur Mbao est en train de vous dire. Non, Christian. Non, je suis bien. Vous n'avez qu'à lire votre constitution, Christian. Vous, c'est pourquoi je dis que les lois sont faites. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Ah, d'accord. Les lois sont faites. Je suis aussi d'accord avec vous. Les lois sont. En tout cas, de votre point de vue, je suis. Ah, moi, il y a des gens qui amalgament, qui disent non, mais nous sommes un État laïque. Ouais. Pourquoi vous voulez censurer la polygamie? La laïcité n'est pas la synonymie de la polygamie. Non, pas du tout. Quand on dit la laïcité, ça veut dire que c'est l'absence d'une religion d'État. Le concept est connoté en droit public. Exact. Il y a une histoire, il faut lire la Révolution française pour comprendre les béabas de la laïcité. C'est pas la même chose en tout cas. C'est pas la même chose. L'État est laïque. Oui. Et puis la polygamie, c'est pas un régime spirituel. Mais sinon, on dirait que notre constitution est antinomique. Comment l'article 1er, il proclame la laïcité et l'article 40, il se réduit pour proclamer la monogamie? Non. La constitution n'a pas dit que Christian s'est marié avec plusieurs femmes. Non, pas du tout. On sait que, bon. Quand j'utilise certains concepts ici, pour adultère comme polygamie, en fait, c'est peut-être par commodité de langage. Il y a d'autres expressions qui sortent par commodité de langage. Pour faire comprendre à ceux qui nous suivent. Parce que beaucoup de Congolais ont des petites nzazi. Ces petites nzazi, dehors, là, en réalité... C'est quoi un nzazi? Bon, le quinoa, là, tu es quinoa, Christian. Non, moi, je suis équatorien. En fait, je suis mbandaké. Tu es venu de Mbandaké, oui, tu l'as trouvé ici. Oui, ça fait 11 ans que je suis là. Ah, okay. Donc, c'est pas la même chose. Je pensais que tu étais né avec nous ici. Non, 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 non. Vous êtes des quinoa. Moi, je ne le suis pas. Non, mais je me suis fait pas non plus. Tu t'es acclimaté. Très bien. Quand on s'acclimate dans le bien, même nous, les quinoa, on évite que les gens disent que ce que nous faisons, ouais, c'est la quinoiserie. Mmh. Donc, ça, il faut en tout cas éviter. C'est comme ça, je suis en train d'interpeller ceux qui nous suivent. Je ne veux pas un buzz à la quinoiserie. Oui. Ça, c'est une question très fondamentale. Oui. Je suis sérieux. Je vous regarde avec des yeux sérieux. C'est une question de société. Après, cette question, ça sera peut-être la question de sous-traitance. Oui. Il faut à un moment donné que l'on arrête à produire des lois institutionnelles ou de lois politico-institutionnelles. Vous disiez Nzazi, c'est quoi déjà? Est-ce que je comprends ce que ça veut dire? C'est ça? Nzazi, ce sont des filles que les hommes prennent. Ah, ce qu'on appelait à l'époque de deuxième bureau? Non, vous ne faites pas forcément le deuxième bureau. Nzazi, ce sont des. Comment on dit ma COP? Comment on dit ma COP? Je dirais pas Chisa, la lourdeur. Peut-être? J'ai la lourdeur de le dire parce que mes valeurs ne me permettent pas. Et je sens des difficultés labiales pour t'expliquer ce que c'est Nzazi. Parce je comprends. Avec toutes les revendiquées par mes valeurs. Avec toutes les difficultés que vous avez pour me dire ça, je comprends ce que c'est. Mes valeurs, tu comprends? Et ceux qui nous ont suivis ont compris. Alors, quelle est votre pensée? Vous voulez dire quoi exactement? Les Nzazi, qu'est-ce qu'elles font exactement? Non, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de filles qui troublent des ménages. Oui. Alors, avec cette proposition de loi, nous aurons résolu ces problèmes des filles qui troublent les ménages. Pas les hommes qui, parce que ce sont les hommes qui sortent eux-mêmes. J'ai parlé de filles. Regarde, elles sont nombreuses déjà. Il y a une statistique qui renseigne que les femmes ici sont à 60%, les hommes à 40%. Ouais. Mais les hommes en âge de se marier ou prêts à se marier sont à 10%. Regardez la proportion comme elle est réduite. Alors, il faut équilibrer la courbe. C'est pourquoi il faut accorder à un homme trois femmes. Ça veut dire que ça va aider. Ça va aider. Je suis pas dans cette logique là. Je suis dans la logique de la minoration du montant de la dot. Ça ouvre la brèche de sorte que tout homme ait sa femme et que toute femme ait son mari. Mmh. Et on verra de moins en moins de filles se balader dans nos rues de Kinshasa. Parce qu'il y a des hommes qui sont. J'ai vu un groupe, je ne vais pas citer le nom, j'ai vu un groupe de journalistes, vos collègues, journalistes au Parlement, qui m'ont exprimé les sentiments et les soucis de se marier alors qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens parce que le contexte... Mais qui cherchent l'argent, parce que quand vous n'avez pas... Les filles comme des garçons, il y a une dame qui m'a dit, qui m'a interviewé, il m'a dit, honorable, bah toi, quand balanga bangoyo, bandeko nanga presse, bangoyo bazali, mi bali. Mais si quoi, soka ki nanda ku 2000, 3000, alors balanga neni, la komo lukambongo nga moko. Tu vois un peu? Mais là, c'est un autre problème, ça n'a rien à voir avec le fait du mandat. C'est un problème non, travail. C'est un problème social. Non, en fait, le travail, oui. Il ne faut pas m'imputer à moi, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi il n'a pas commencé là par le travail? Écoute, ils n'ont qu'à lire la Constitution. Mais chacun de nous, vous n'êtes pas le seul. Ça veut dire, il y a 500. Ça veut dire que nous sommes à 500 même. Ouais. Ça veut dire qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de gouvernement dans ces pays. Il y a un gouvernement avec des personnalités compétentes. Alors, éminentes et qui font bien leur travail. Et j'ai bien foi que dans les heures qui viennent, on aura peut-être atteint à la limite le plein emploi. Parce que nous avons un gouvernement qui travaille. Et nous, les députés de l'Union Sacrée, nous sommes appelés à accompagner notre gouvernement. C'est tout faux de dire, ben voilà, il devait proposer une loi sur l'emploi. Comme s'il n'y avait pas de code du travail. Les gens ne sont pas informés qu'il y a un code du travail. Qu'il faut finalement... Si il y a modification, on modifie le code du travail. On ne crée pas l'emploi. L'emploi, c'est votre environnement.
C'est quand vous créez un environnement sécurisant, un cadre d'émergence, les investisseurs viennent, il y a l'emploi. Ce n'est pas le député national. Il fait sa proposition qui va vous ouvrir l'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de kounouna. Tous les enfants vont être hébergés dans des familles. Il y aura moins de grossesses indésirables. Il y aura moins de crises de succession. Les familles vont s'ébrider, les familles vont produire des citoyens. Et ces citoyens vont produire un cadre de sécurité. Les investisseurs vont venir et vous aurez l'emploi. Et à long terme. Ou à moyen terme. Très bien. Alors, on termine ce débat avec la question de la succession. Qu'est-ce que vous proposez pour aujourd'hui, il y a qui, il faut le dire en lingala, honorable Mbaou, Ngaï Nazobunda, disons, prenons quelqu'un qui se bat pour la vie naïe. Abundi, Abundi, vous avez des enfants? Ouais, ouais. Combien déjà? 5 enfants. Ok. Vous vous êtes battu toute votre vie. Vous êtes professeur à moins de 35 ans. Vous êtes professeur, vous êtes député, vous êtes tout ça. Et ça, c'est, on va dire, on va dire au sommet de la vie politique de quelqu'un. Mais après Mbaou, Dieu vous rappelle sans effet. Bon, d'accord, sans effet. On prend ça comme ça. Je suis encore là. Les Africains ont peur de mourir. Non, non, mais il faut que Christian aille. Avant que Christian ne meure, il faut que les autres meurent. Et puis après, parce qu'on a encore besoin aussi de Christian. Encore quand c'est un pasteur qui dit, je le dis, amen. On a encore besoin de Christian. Amen. Mais amen. Imaginez que tu partais maintenant, mais qu'est-ce qui va arriver dans Showbiz? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, dites-moi, alors qu'est-ce qui arrive à ce monsieur qui décède aujourd'hui, qu'on appelle en droit le Dekoyous, qui laisse un héritage, mais qui malheureusement ne pourra plus être là pour, je veux dire, mais c'est sa famille qui vient, qui chasse la femme de la maison, qui chasse les enfants de la maison, et ce qui vous met qui, et on a vu des gens mourir sur des questions-là. Honorable Mbaou, qu'est-ce que vous avez réfléchi pour mettre à l'abri les enfants mineurs incapables de se défendre, la femme incapable de se défendre contre cette famille-là? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Qu'est-ce que cette loi prévoit? Je l'ai dit avec mort dans l'âme. Oui, ça fait très mal. Je vis des cas comme ça, comme député national. Ouais. Je t'avoue, hein, je suis en train de supporter des familles. Je fais scolariser des enfants, des orphelins. Ouais. J'en ai vu même d'autres qui ont perdu leur mère après la mort du papa. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Oui, à cause de pratiques et des épreuves superstitueuses. C'est comme ça que j'ai décidé carrément de proposer la pénalisation des épreuves superstitueuses. Je suis d'accord avec vous sur la question. Il y a une dame dans ma circonscription qui est décédée après la mort de son mari parce qu'on lui a demandé d'avaler l'arsenic. Mbondo. Oui. Babi Mtabomi papa. Oui, c'est que c'est. Tout ça, on voulait la mettre hors état de nuit pour récupérer. À moins de 24 heures, elle était décédée et on conclut qu'elle était à la base. Parce qu'on dit qu'il soit à Koufa quitté, c'est qu'il y avait une personne qui a monté. Vous imaginez? C'était des substances toxiques. Mais et ils disent que c'est la coutume. J'ai vu des femmes qui se sont brûlées entièrement comme ça, bien les caracates à moto. Des femmes. Cette loi protège les femmes aussi, surtout des femmes. On a vu des cas comme ça, il faut réglementer. Et les enfants après étaient chassés. Les enfants, beaucoup d'enfants aujourd'hui, chassés et vivent à la belle étoile. Dans des églises, moi, je suis un depuis papa, Botaye, Tiakoli, je suis un grand balayeur de l'église parce que la tongo a la permanence et si on a les athées, tout ça, succession. Pourtant, mais est-ce qu'il faut votre proposition de loi. On pénalise, ça veut dire quiconque qui vient chasser les héritiers de la première catégorie lorsqu'ils ont une seule habitation. La loi dit depuis 1987 que lorsqu'il y a une seule habitation, elle revient d'office aux héritiers de la première catégorie. Mais Bazoyo Kate. Mais pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas moi. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans même. Les gens continuent la même logique. Pas plus tard, ici, quand on a des bonhommes, j'ai vu un cas. Au moins, la Zobang en côté Lupong, mon papa l'exo à Monier, à Oliaye. Parce que grand frère Nazarocha, tu vas lier déjà. Bien sûr, les gens sont tombés comme ça. Bah lier déjà. Alors, des gens comme ça, il faut pénaliser. À un moment donné, l'État peut prendre la responsabilité de sanctionner tous ceux qui. Parce que, prévésaté, pour beaucoup de tout, il y a des Kimandaku, Kimana Bango. Kimi, parce que. Parce que, nous avons tout nié, prévésaté, il y a des Bango, il y a Kenda. Kimana Bango. Ouais. Le fait maintenant que mon abana au Libanda et commis infraction, le fait pour interpeller Tata Leki, aïe banamtounaï, le fait que mon abana au Libanda, et ça déjà infraction. Tu vois? Parce que la pratique superstitueuse. Parce que lui va dire non, mais écoute, on a la bengane moutouté. Non, bah là, bon. Oui, la bengane moutouté, mais d'abord, pourquoi il doit vivre là-bas?
lui aussi, pourquoi il doit vivre là? C'est ça, pourquoi il va vivre? Il va venir vivre et pas à Ndekone, alors que nous, le Biwana, ce que ça ne le prend pas, et ça, automatiquement, il y a pas Ndekone. Mais est-ce que la peine que tu as prévue, est-ce qu'il va qui était? La commission va revoir. Oui. J'ai rencontré un membre de la commission qui voulait ramener cette peine à 10 ans. Mais je pense aussi. C'est un crime! Oui, à 10 ans. C'est un vrai crime. Un vrai crime. Parce que si on évolue, on évalue, par exemple, j'ai rencontré une fille de 16 ans qui vend son corps, en fait. Son corps, mais son père a deux parcelles. Deux parcelles. Bah, papa n'a pas papa n'a on a sept frères. Conflit et bimi. Bah, sept frères, bah, kaboli, dendakouana. Bah, tiki banda, on a libanda, babimi. Et cette fille a commencé à en avoir moussouté. Elle a commencé à vendre son corps. Parce que Ndakouna, c'est pas comme si son père n'a pas laissé des maisons. Son père a laissé des maisons. Moi en fait, j'en ai vécu aussi dans mon école. Oui. J'ai une école. Ok. En fait, j'ai été administrateur longtemps dans cette école, mais je la gère plus. Il y a une fille, je ne sais pas si t'es, elle me suit. Cette fille, je l'ai eue, elle était toute petite. Une jolie fille. Une cassaine brune. Jolie fille. De première année, deuxième, troisième, son père payait les frais. Mais à un moment donné, elle me disait qu'elle n'aimait pas trop les juristes. J'ai dit pourquoi? Parce qu'elle me trouvait rigoureux. Elle dit, tu es rigoureux comme mon père qui est avocat. Et puis, elle arrive en cinquième, elle dit, papa décède. Tu sais, en sixième année, elle n'a pas pu payer les frais scolaires. Et puis finalement, on a bateau bazara kokanaye. Bazuye. Ouais. Et parce qu'elle commençait à dormir dans une église, tout babotoli. Elle pleurait, elle n'avait rien à payer. Donc tout l'investissement de ces messieurs-là est tombé par terre. Ouais. Pourquoi? Parce que la famille s'est incrustée dans l'affaire. Et l'État est resté silencieux. L'État est resté silencieux. Oui. Alors, mais moi, je salue. Une fille brillante pourtant. Mais aujourd'hui, la fille n'a plus étudié. Mais elle ne va pas étudier. Moi, je salue votre initiative. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que la commission essaie de revoir. Et même, la question des liquidateurs. Oui. Il faut. Parce qu'il y a des liquidateurs aujourd'hui autoproclamés. Il y a un mec que vous n'avez jamais vu du vivant de votre papa. Mm. D'abord, il faut dire aux gens qui est liquidateur. Qui doit être liquidateur? Liquidateur, c'est. À la mort d'Idekouyous, il y en a un parmi les enfants. Généralement, c'est le fils aîné ou l'aîné de la famille par règle de primogéniture qui est désigné comme liquidateur. C'est l'administrateur des biens. Il a le pouvoir d'administrer, pas de disposer. Il gère les biens avant le partage des biens. C'est lui qui est liquidateur. Alors, même si vous voulez disposer, alors que vous n'avez pas encore partagé, c'est lui qui a la qualité de représenter la situation, parce que la situation a une personnalité juridique. Lorsque vous l'établissez sur base d'un procès verbal de conseil de famille, vous devez l'établir officiellement en même temps que l'investiture des héritiers. Parce qu'ils doivent être dénombrés, ces héritiers. Il y a un jugement qui est rendu par voie gracieuse. Ce jugement s'appelle jugement d'investiture. C'est le juge du tribunal de la dernière résidence, n'est-ce pas, d'Idekouyous, qui est compétent. Il établit ce jugement, il rend ses jugements, il établit comme liquidateur et il vous investit tous. Les termes sont choisis comme héritier. Mais là, c'est lui qui prend le devant. S'il y a un problème contre la succession, c'est lui qui représente la succession. Mais beaucoup de liquidateurs ont commis des abus indescriptibles. Terrible, terrible. Hein? Il y a des liquidateurs qui ont disposé sans l'accord express de tous les successibles. Il y a des liquidateurs qui se sont emparés de toute l'hérédité sans l'accord de tous les autres successibles. Il y a même des liquidateurs autoproclamés. On ne l'a jamais vu. Ouais. Ils s'autoproclament un matin que je suis le fils d'Idekouyous. Il vous brandit un jugement monté de toutes pièces. Un jugement de filiation. Il dit non, mon affiliation était tardive. Papa m'a déclaré en retard. Voici mon jugement. Et vous ne savez pas pourquoi, parce que vous pouvez toujours aller en contestation. Et ces messieurs, il établit son set. Nagombeze Bélé, hein. Son procès verbal peut-être avec ses frères. Ah ben non, ça c'est notre lit. Il vous vend la parcelle. Moi je suis avocat, j'ai un devoir de secret professionnel. Je ne vous dis pas quel dossier. Mais ici j'ai beaucoup de dossiers où vous rencontrez quatre liquidateurs qui ont vendu quatre fois. Et vous quatre vous êtes opposés. Et vous êtes opposés pas dans une seule affaire. Dans 4, 5, 6 affaires, devant le même tribunal, où les uns viennent comme demandeurs, les autres comme défendeurs. Si vous n'êtes pas défendeur là-bas, vous êtes tiers opposant. Et si vous n'êtes pas tiers opposant là-bas, vous êtes intervenant volontaire. Donc, parce que les droits sont massacrés. Et il y a un désordre total. Il faut régler ce secteur parce que les gens n'ont pas peur de commettre des abus
sur des biens successoraux. Et cette question-là, je pense que ça vaut la peine. Il faut rationaliser la liquidation. Cette proposition de loi participe à la rationalisation de la liquidation. On va se lever pour terminer cette émission. Très cher et honorable professeur pasteur Mbaou, qu'est-ce que l'on retient de cet entretien? Qu'est-ce que l'on doit garder? Qu'est-ce que les Kinois doivent garder de cet entretien au sujet de votre proposition de loi portant révision du code de la famille? Bon, eh bien, les Kinois doivent garder à l'esprit que nous devons créer une nouvelle société des valeurs. Que la République, l'État, c'est une institution des institutions. Et la famille, c'est l'institution de base. Nous devons faire la promotion du mariage. Parce que la dot n'est pas une vente aux enchères. La dot n'est pas un fonds de commerce. Nous devons avoir plus propension à encourager des mariages qu'en les obstacler. C'est cela mon dernier mot. Je voulais dire aux jeunes filles qui me suivent, surtout les jeunes filles, que cette proposition de loi ne vous chosifie pas. Elle vient vous conférer la valeur ajoutée. Parce qu'il y a des femmes qui scientifiquement pèsent lourdes que des hommes. Alors quand vos parents vous vendent à 3000, 4000, les hommes ne savent pas vous respecter parce que les hommes vous prennent pour des biens patrimoniaux. Parce que vous avez été surfacturé. Un peu comme la télé, un peu comme la radio. Vous avez été comme surfacturé. Et que donc cette proposition de loi vous donne l'occasion de vous faire respecter. Il y a une dame que je vais citer, je vais saluer à passant. Une jolie dame qui est manager dans une grande entreprise. Bon, je me réserve de citer son nom. Qui est métisse, mais qui doit se marier. Si on vous donne cette dame-là avec son background, avec son intelligence, avec son niveau d'études, avec son patrimoine à 500 dollars, n'est-ce pas une grâce? Est-ce cette proposition de loi ne participe pas au renforcement de la valeur de la femme? Étant entendu même, on a prévu une incise où on donne la possibilité maintenant à la femme, cher Christian, de fixer la résidence au cas où elle a un emploi qui est 5 fois plus rémunéré que celui de son mari. J'aurais bien voulu savoir ça exactement. Vous voulez dire quoi par là? Parce que le code de la famille ancien prévoit... C'est l'homme qui prévoit, qui fixe la résidence. Que ce soit l'homme qui fixe sa résidence. Mais il y a eu des cas pratiques où l'homme est sentinelle. Mais la femme travaille à la Monisco. On l'a mitée à Goma. Elle touche 5000 dollars. L'homme touche 50 dollars. Qui suit l'autre? Ben, naturellement, l'homme va suivre. L'homme va suivre, absolument. C'était pas dit. Il y a des femmes qui ont perdu des emplois comme ça parce que monsieur avait dit non. Cette proposition vous donne de la valeur. Cette proposition crée une société de juxtaposition, d'équilibre, de valeurs. Mais quand c'est la femme qui choisit, qui fixe la résidence, qui paye le loyer? Eh bien, ça c'est une autre question parce que tu sais, le code de la famille a prévu des dispositions relatives à la gestion du ménage. L'homme et la femme gèrent et c'est l'homme qui est le maître du ménage. Et même si c'est la femme, par respect, même si c'est elle qui paye, ben, ça passe toujours par l'homme, non? Et c'est l'homme qu'on présente devant les bailleurs. Ce n'est pas la femme. Nous avons aussi nos coutumes, nos principes traditionnels. Ah oui, l'homme reste homme. Il reste homme. Supérieur à la on femme. On ne peut pas l'amoindrir à sa plus simple expression. Supérieur à la femme. Non, mais je ne m'engage pas dans une discussion de supériorité en termes de degrés ou d'état. Non. Mais je suis un homme d'église. Je sais que Dieu a conféré le plein pouvoir à l'homme d'être maître du foyer. C'est l'homme le maître du foyer. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat contradictoire avec cette Kikuni? Parce qu'il a demandé. Je suis un homme à débat. Toute ma vie, j'ai été construit par les débats. Je suis arrivé au Parlement par les débats. Et je mourrai par les débats. Vous et le jour où je mourrai par les débats. Le jour où je mourrai, on dira que cet homme fit un homme à débat. Et vous irez dans le gouvernement prochain, dans le débat? Non, mais je ne suis pas. Moi, je veux d'abord travailler pour le peuple. Mais même là, le président de la République a dit les peuples d'abord. Moi, ici, je ne propose pas des lois qui touchent aux institutions superstructurelles de l'État. Je touche des lois qui portent sur l'intérêt général, les peuples d'abord. Est-ce que vous avez rencontré votre... ça c'est justement une blague, hein, rien à voir, c'est vraiment une blague. Est-ce que vous avez rencontré Madame Aminata? Non, mais... Elle aussi, c'est 500 dollars. Aminata, c'est une jeune sœur, c'est ma sœur. Excellence, je te salue en passant. C'est 500 dollars aussi, de toute façon. On en rit avec elle. Je pense qu'avoir une femme comme Aminata, une femme des valeurs, une femme des principes, qui a un parcours académique, qui a un parcours politique, c'est une grâce. 500 dollars. Vraiment, c'est une grâce. Ça ne veut pas dire qu'on choisifie la femme. Vraiment, c'est une grâce. Ça, c'est une expression éloquente que cette loi ici participe
à la socialisation de nos vies. Très bien. Aujourd'hui, un jeune de Lemba peut prendre la responsabilité d'épouser une femme qui habite Gombe. Parce que la dot n'est plus un casse-tête. Merci, mesdames et messieurs. Merci, en tout cas, honorable. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Non, cher Christian, j'ai été tout honoré. Ce serait un grand plaisir de te recevoir encore. Absolument, voilà. Mesdames et messieurs, merci. Je t'attends dans des conférences. Oui, ce sera bientôt. Comme d'habitude. Ah, d'ailleurs. Ouais. Ça arrive. Ouais. Tous les grands que je reçois, ouais, parce que vous êtes grand dans ce domaine et de la science et de la politique aujourd'hui, ouais, nous posons la même question. Nous allons vous contacter. Je viendrai à vous parce que je suis en train de penser à la 4e République. Ah. Mais pour ça, je ne voudrais pas commencer ça sans des débats, sans des analyses profondes sur la question. Alors, je viendrai vous rencontrer hors caméra pour discuter et pour avoir de vous certaines réflexions pour m'amener à proposer à l'État congolais la passation d'une république à une autre. Ça n'est une révolution. Oui. La 4e République, le passage de la 3e à 4e République, oui, c'est une révolution. C'est ce que je voudrais vraiment. C'est pas très facile. Vous allez sérieusement bouger les lignes. Oui, je voudrais vraiment que nous soyons ensemble. Les choses comme ça, ce sont que des jeunes intelligents comme vous et audacieux, oui, qui peuvent proposer. C'est pour ça que je vous rencontre. On a besoin du 109. Oui. Cette République ici, oui, a besoin du 109. Mais par moments, on regarde sans voir. Je crois qu'on viendra, je viendrai vous rencontrer. Voir. On va discuter sur la question. Quand je vois ton institution, oui, Showbuzz. Congo Buzz. Oui, je regarde l'administration. Je vois l'intelligence derrière la coordination. Merci. C'est ce qui nous manque. Il est quand même inacceptable à un moment donné qu'une institution comme Congo Buzz ou même Eurobank soit plus organisée que l'État congolais lui-même. C'est quand même difficile. Or, l'État, c'est l'organisation la plus perfectionnée. C'est la super machine, on va dire. L'organisation la plus perfectionnée que l'homme ait créée. Ouais. Alors, si la nôtre n'est pas perfectionnée, c'est qu'il y a un problème. Il faut changer. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les. Les parfums du Gore, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bovozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Vautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Le parfum d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, Zizou Bidoua, Daïmata, Chidou Tweneleye, Nagui Nyapana Pico.